Yo, bon, toujours le confinement. Donc aujourd'hui, alors, mon père il a reçu sa boîte de vitesse. Donc voilà, qui est juste ici. Donc il a ça à remonter. Voilà, comme ceci. Moi j'ai un embrayage sur ça à faire. Je sais pas si on voit. Donc j'ai un Patrol GR, donc comme le mien. Donc j'ai un embrayage à faire. J'ai jamais fait là-dessus, mais bon, la boîte. Enfin, j'ai juste une fois démonté la boîte de mon autre Patrol gris qui est énorme. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo avec vous pour vous montrer comment faire. Parce que c'est pas évident. Donc là, déjà, il faut 2 cris de fond de fosse. Parce que la boîte a fait peut-être bien 200-250 kilos. Donc voilà, ça va pas être évident. Donc voilà la bête. Donc du coup je vais faire l'embrayage là-dessus. Donc on peut voir la boîte qui est énorme. Parce qu'il y a la boîte, en fait il y a une espèce de traverse à enlever. Là il y a la boîte et la boîte de transfert à sortir. Donc c'est un peu galère. Donc on va lever le 4x4 et puis on va voir comment ça se passe en dessous. Donc voilà comment ça se passe en dessous. Putain, il y a plein de terre. La misère, ça. Donc dans un premier temps, on va vidanger la boîte de vitesse. Donc la vis de vidange, elle est juste là. Après, on va enlever les arbres de transmission. Donc ce qu'on peut faire, c'est enlever juste cette partie ici. Comme ça, là, on peut replier l'arbre et puis le laisser dans le vide. Pour l'avant, on peut faire pareil normalement. Ouais, on va pouvoir faire pareil. Donc voilà, en fait c'est cette traverse là qui tient la boîte. Donc là il y a deux supports de boîte. Par contre, moi quand j'avais démonté ma boîte, il n'y avait pas l'échappement. Bon, normalement ça devrait passer. Donc voilà, donc là c'est il y a le récepteur d'embrayage ici. Donc là je dois le changer aussi. Ouais. Donc je dois le changer aussi. Donc ça, le récepteur d'embrayage. Lorsque vous appuyez sur votre pédale d'embrayage, ça vient pousser une fourchette qui vient pousser sur le disque d'embrayage, qui vient désaccoupler, enfin pas sur le disque, sur le mécanisme d'embrayage, qui vient désaccoupler le moteur et la boîte de vitesse. Donc voilà, j'ai ça à changer. Donc à savoir que sur les Patrol, on a un master vague d'embrayage pour augmenter la puissance. Donc on voit ça généralement sur les freinages. Donc là, on a ça sur l'embrayage. C'est rare de voir. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais vu ça sur d'autres véhicules. Il y a vraiment que sur les Patrols que j'ai vu ça. Donc voilà, moteur assez sain. Aucune fuite d'huile apparente, apparemment. Il y a juste une croix d'accessoire de détendu, je vois ça. Légère sointure au turbo juste là. Après, il y a les joints de bol qui sont pas terribles de ce côté-là. Voilà, sinon, bon véhicule. Là, celui-là il a 200 dans les 250 000, je crois. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vidanger la boîte. Après, on va enlever les arbres de transmission. Oui, il faut que j'enlève le cap de frein à main. En haut, je vais tout dégarnir pour pouvoir descendre les leviers avec. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à enlever les leviers. Après, il y a quelques capteurs à enlever juste en haut, mais je ferai ça par en haut. Après, oui, le démarreur à démonter, tout ça. Bon, dans un premier temps, je vidange la boîte. Oh la vache, la gueule de l'huile. C'est de l'eau. L'eau, c'est. Puis on peut voir la limaille qu'il y a sur le bouchon. Oh, l'huile est vraiment, vraiment dégueulasse. Je sais pas si on se rend trop compte en vidéo. Mais elle est pas terrible. Donc, les vis du tambour. Donc ça c'est donc ça je l'ai pas dit, ça c'est le tambour de frein à main. Donc ça c'est juste pour le frein à main. On va essayer d'enlever l'arbre de transmission. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais. Et normalement voilà, c'est ça. Hop. Donc l'arbre de transmission, je vais le laisser là, ou alors je vais peut-être le suspendre juste là pour pas qu'il me dérange. Donc belle chose pour l'arbre de transmission avant.
Donc celui-là, oh bah ça va, il s'enlève tout seul. Donc là on va juste, ah bah non, faut pas que je le cale là. Parce que moi je vais descendre le support de boîte. On va enlever déjà les pommeaux. Voilà, les deux pommeaux, boîte de vitesse, boîte de transfert. Elle est collée dessus. Pour après enlever le soufflet et puis pouvoir accéder à tout ce qui est en dessous. Là, ce cache là enlevé. Et puis là normalement on devrait être bon pour tout sortir. Pour déposer la boîte. Là les leviers normalement ils devraient pas gêner. Ou alors je vais enlever, il reste une vis à enlever juste en dessous. Pour enlever le grand cache ici qui est collé. En fait on peut enlever le demi-levier. Donc l'autre partie est là, donc on est obligé de l'enlever avec une clé à griffe. Ouais, avec une bonne clé à griffe parce que franchement c'est. J'ai mis au moins 10 minutes à l'enlever, c'est à moitié conique, c'est bizarre, c'est super super dur. Donc voilà, donc je pense que celui-ci de la boîte de transfert, je vais pas l'enlever parce que j'ai quand même assez de marge. Voilà, là il me reste tous les capteurs enlevés. Donc voilà, j'ai débranché mes mises à l'air de boîte. Alors, je sais pas si on peut voir. Donc les mises à l'air de boîte que j'ai débranchées là et là, elles sont juste ici. Voilà, voilà, donc j'ai ça. Je vais regarder par en dessous ce qu'il me reste à débrancher. On va démonter le démarreur. Donc pour le démarreur, il y a une vis à démonter du haut. Parce que du bas, c'est chaud. Et il y a une deuxième vis à démonter qui est juste là. Je sais pas si on voit. Voilà, donc le démarreur il tient avec que deux vis. Voilà, le démarreur. Voilà. Le démarreur il est démonté. On va avoir des mises à l'air à enlever. Tous les branchements. Là, je les ai toujours pas débranchés. Là il y a un fil qui va. Voilà, le branchement il est juste là. Donc là il y a tous ces fils là à enlever. Donc là il y a tous ces fils là à enlever. Tous les branchements qu'il y a juste ici. Voilà, là c'est plein de terre tout ça. Donc c'est un peu galère à démonter. Le frein à main également que j'ai pas enlevé d'en haut, je viens d'y penser. Après, on va démonter l'échappement juste ici. Et là, il y a une mise à l'air, une autre mise à l'air. Ah oui, c'est la mise à l'air de la boîte. Voilà, le récepteur à démonter. Après, le contour de boîte. Après, la traverse et après, normalement, ça descend. Le système du frein à main, il est enlevé. Voilà le câble qui est juste là. Donc j'ai enlevé le tambour, tout ça. Là je vais enlever les vis du contour de boîte. Donc là, là faut enlever juste la petite cloche qui est derrière. Là, qui est juste là. Là on enlève la vis là. Il y a deux vis en haut, une vis là. Et après il y a les vis du support ici à enlever. Bon voilà la bête, la boîte est démontée, ça n'a pas été évident donc du coup j'ai été obligé de dévisser toutes les vis, de découper un petit bout de moquette parce que je pouvais pas enlever les vis de la boîte à gants. Voilà l'embrayage. Bon bah voilà l'embrayage. On peut voir que là il est arrivé. Juste là. Le nouvel embrayage. Hop. Ça c'est carrément un roulement le machin. Là l'embrayage est reposé. Hop, donc bien centré tout ça. On va désormais remettre la boîte. Voilà, on va remettre la boîte. Puis après, on va pouvoir remonter tous les accessoires qu'il y avait autour. Voilà, la boîte est remontée. Donc, il me reste la traverse à remettre. Donc, j'ai juste à la revisser.
Après, je pourrais fixer mon échappement, rebrancher tout, tout ce qui est capteur, tout ça. J'ai remonté le démarreur, le récepteur, j'ai fait démarrer, j'ai remis de l'huile dans la boîte, de l'huile neuve. Donc du coup, j'ai mis de la 75-80. Toutes les vitesses passent très bien, aucun problème. Donc voilà, je vais pouvoir remonter mon tambour de frein à main, remonter les arbres de transmission, remonter toutes les garnitures qu'il y a là-haut. Et puis bah, ça devrait être bon. Voilà, l'embrayage est terminé. Donc j'ai purgé. On a galéré à purger parce qu'il y a des petites bulles d'air. Mais bon, là j'ai réglé la pédale. Juste ici. Alors, ceux qui ont des problèmes, il faut régler la pédale ici. Juste là. Voilà. Donc là, il y a la butée. Et puis là, il y a la course de la pédale. Voilà. Là, elle est nickel. Hop. Voilà, impeccable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en mécanique. Dites-moi si vous voulez que je refasse des vidéos mécaniques. Sur des petits entre guillemets tutos comme ça. Voilà. Bon bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao.